Bonjour tout le monde, un article très intéressant sur les émanants messagers de la nature qui a été repris sur des autres sites et qui a été repris sur Wikipédia. Donc à partir de là, bon. Archéologie interdite, c'est très intéressant. Des artefacts de Bureau Cave, alors c'est assez court à lire mais il y a pas mal d'images. Hein. Bureau Cave, alors Bureau Cave, Cave, dans l'Illinois, USA. Bureau Cave est le nom donné à une grotte située dans le sud de l'Illinois, apparemment découverte par Russell E. Celui-ci dit qu'il contenait un certain nombre d'artefacts. Vous allez voir des sortes de reptiliens, de serpents, de corps humains, plus ou moins humains, avec des têtes de reptiles, comme par hasard. Bon. Au moment de la découverte, on pensait que la présumée grotte devait avoir été située dans le comté de Richland, ou Rickland, quelque part à proximité de la ville d'Olney, Olney. Olney, dans l'Illinois, où résidait Bureau à l'époque. Bureau a affirmé qu'il ne voulait pas dévoiler l'emplacement de la grotte car il pensait que la grotte serait privée de ses anciens trésors. Bureau a découvert la grotte lors d'une randonnée sur la colline à des milles de la rivière Ohio. Alors, je rappelle qu'un mile, c'est 1,6 km. Alors après, des milles, on ne sait pas combien, 5, 10. Où il a ensuite affirmé qu'il cherchait des boucles de l'époque de la guerre de sécession et des fers à cheval des pionniers avec son détecteur de métaux. Bureau a dit qu'il est tombé sur un trou qui l'a conduit dans la mystérieuse grotte pleine d'objets antiques inestimables. La grotte contiendrait de nombreux artefacts archéologiques, notamment des gravures, des pièces de monnaie et d'autres objets. Un grand nombre des artefacts supposés auraient des inscriptions dans diverses langues anciennes telles que le phénicien et l'ibérique. Voilà, il y a pas mal d'images, vous allez voir. C'est quand même intéressant. Voilà, Bureau prétend que la grotte est une tombe contenant les artefacts, les vestiges de 13 cryptes. 13 cryptes. Hein. Voilà, il y a des sortes de trucs un peu mystérieux. Hein, ou peut-être de serpent, on va dire. Voilà. Alors, c'est assez court. Je n'ai pas plus d'informations. Mais vous allez voir qu'il y a une gravure surtout. C'est une sorte de corps humain, on va dire, mais avec une tête de serpent. Comme par hasard. Et il y a beaucoup de gravures avec des serpents. Il y en a pas mal. Donc, bon. Un artefact. Là, je vois une sorte d'éléphant. Une sorte de pharaon. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, on dirait. Voilà. En plus, dans un coin qui est complètement dans l'Illinois. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Alors, je coupe là. Merci. Je vais faire des recherches le plus possible sur les images. À bientôt. À plus. Court, mais très intéressant. Merci.
Thank you.